Salut les loulous, c'est Roro le Costaud, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en Normandie, au viaduc de la Souleuvre. Je crois que j'ai fait une connerie. L'an dernier, j'avais décidé de faire un saut à l'élastique. On y est. Donc, on va aller découvrir ça. Alors, ce que je voulais, c'était sauter. Et je voulais sauter avec le fauteuil. Et oui, c'est possible. Voilà, aujourd'hui, je vous fais découvrir tout l'envers du décor, tout ce qui va se passer, la préparation jusqu'au saut final. J'espère à tout à l'heure, ça sera bon signe, c'est que je suis pas mort. Donnez-moi de la force, mettez-moi un petit pouce bleu en bas de la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne, à moins que ce soit la dernière vidéo. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, ça va. On verra après, mais pour l'instant, ça va. Et la musique, c'est pour détendre. La musique pour détendre. Tout va bien. T'as vérifié que ça tient bien? Ne vous inquiétez pas pour les tickets, on va vous appeler, là il y a un petit peu de monde de toute façon. Romain, un petit mot pour ta maman. Bisous maman.
sa mère. C'est énorme. C'est à refaire. Énorme. Donc du coup, on a reçu un super accueil. Tout d'abord, l'accueil avec les filles. Alors, on m'a pesé. Maintenant, je sais qu'avec mon fauteuil, je fais 78 kilos. Le problème, c'est que je ne sais toujours pas combien pèse mon fauteuil. Voilà. Mais quelque chose me dit que j'ai dû prendre un peu de poids quand même. Je pense qu'à mon avis, j'ai dû grossir un peu depuis la rééducation. Ah bon, c'est normal, la rééducation bouffe de la merde. Ensuite, direction le pas de tir. Enfin, direction le pas de saut. Je sais pas si ça se dit comme ça. Là où on saute, quoi. Et là, on a attendu beaucoup. Alors, c'est sûr que tu as le temps de te préparer. Par contre, tu vois tout le monde sauter. Tu vois tout le monde crier. Tu vois tous les gens. Et il y en a en plus, ça se passe pas très bien. Alors, du coup, j'avoue que je me suis quand même posé des questions. Non, je plaisante. Franchement, j'ai été tellement bien accueilli, tellement bien encadré du début à la fin que j'ai jamais stressé. Mais vraiment, jamais stressé. Ils m'ont même dit à un moment, tu sais d'où tu vas sauter ? Bah, je dis ouais, du toit. Ah bah ouais, oui, c'est déjà. Bah ouais, parce que j'étais déjà un peu renseigné quand même. Alors il y avait Kevin, il y avait Kylian, il y avait la biche, il y avait alors Justine à l'entrée, qui y avait d'autres, plein d'autres mecs sympas. Franchement, tout le monde était trop cool. Mais vraiment, l'équipe, vous avez été au top. Et j'avais qu'une hâte, c'était de sauter en fait. En fait, j'en avais marre d'attendre parce que je voulais sauter. Faut que je sois honnête. Au moment du saut, j'étais zen. Hein. Il dit regarde devant toi, écarte les bras, j'ai écarté les bras. Par contre. J'avoue que sur les premiers mètres, je crois que j'ai ma tête qui s'est décomposée parce que j'avoue quand même que waouh. Mais ça dure pas longtemps, ça dure quelques secondes. Et après, pouah, le sentiment de liberté, je vole, t'es heureux et voilà. Et en fait, j'avais même pas fait le premier rebond que je disais déjà, je veux en refaire un. Je pense que je vais en refaire un rapidement. Ouais, je pense que je vais en refaire un, c'est sûr. Bon, en tout cas, tu vois, encore une fois, on a prouvé qu'en fauteuil, on peut tout faire. Même ça, tu vois. Et ayez pas peur, repoussez vos limites. Franchement, ça, c'est un truc qui peut te faire très peur. Mais je sais que par exemple, la caméraman là, qui est en train de filmer, oh non, je veux pas. Et puis maintenant, elle veut en faire. Donc honnêtement, parfois, on se met des limites, on se dit non, je vais pas le faire, je peux pas le faire. Et puis au final, bah, maintenant, tu vois, elle regrette. Elle se dit merde, j'aurais dû signer pour sauter. Bon, voilà, en tout cas, les loulous, je vous remercie beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce saut. J'espère que la vidéo sera aussi bien que le plaisir que j'ai pris. N'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne, activer la cloche et un petit pouce bleu, ça fait plaisir. À très bientôt sur ma chaîne. Bisous.